Ce jeudi, à l'aviron club de Lyon-Caluire, à côté d'une dizaine de jeunes polissant leur bateau, deux hommes discutent en entrée. L'un est entraîneur, l'autre est président du club d'aviron. Le plus âgé, Alain Sécon, pratique ce sport depuis bientôt 40 ans. Mais l'empuissance et esprit collectif, l'aviron ne semble jamais l'avoir quitté. Je suis arrivé au club en 1976, j'étais rameur bien sûr, jeune étudiant, j'ai fait des championnats de France, j'ai pratiqué l'aviron jusqu'à à peu près l'âge en compétition, jusqu'à l'âge de 36 ans. Et puis, par le parcours professionnel, je suis parti quelques années en dehors du club et je suis revenu, voici à peu près une vingtaine d'années. À la fois pratiquant et président, Alain Sécon essaye de perpétuer la tradition de ce sport de glisse. Après avoir rénové les locaux de cette ancienne maison éclusière, située au bord de Saône, le plus ancien club d'aviron de Lyon semble être entre de bonnes mains. On est un club assez familial. On n'a pas trop de recherche, de performance. On accepte les gens qui veulent faire de la compétition, on accepte les gens qui ne veulent pas faire de compétition parmi les jeunes. Et on a le club qui a le plus de loisirs. J'aime bien les loisirs, j'aime bien ce mélange de public qui se traduit par des fêtes, des repas. Cette vision anglo-saxonne du sport se retrouve à la fois dans les sections compétition et loisirs du club. Cumulant quelques 500 licenciés, chacun pratique l'aviron à son rythme, à son niveau, mais surtout à tout âge.